guerre ne meurt jamais. En 1776, cette grande nation a accepté que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Si nos pères fondateurs nous voyaient aujourd'hui. D'Antietam à Amiens, d'Okinawa à Anchorage, nous avons combattu. À présent, la menace rouge est à nos portes. La démocratie elle-même est menacée d'extinction. C'est pourquoi aujourd'hui, le 4 juillet 2076, 300 ans après la création de notre grande nation, nous sommes réunis pour célébrer la fin de la construction de l'abri 76. Ce gigantesque abri souterrain a certes été conçu par Voltec, mais c'est vous qui l'avez bâti, peuple d'Amérique, afin que si les bombes tombent, si notre fin arrive, notre style de vie puisse survivre. Mais tous ne seront pas sauvés. Ceux qui seront choisis pour entrer dans cet abri devront être les meilleurs d'entre nous. Quand les combats auront cessé et que le nuage se dissipera, il sera temps de reconstruire. Pas seulement les façades, pas seulement les bâtiments, mais nos cœurs, nos esprits. Et en fin de compte, l'Amérique elle-même. Nous nous tenons ici aujourd'hui avec l'espoir que le monde connaisse la paix. Mais si notre destin est différent, si la guerre doit arriver, nous serons unis et nous saurons qu'ici, dans l'abri 76, l'avenir nous appartient. De rebâtir l'Amérique. Rien que ça. C'est une responsabilité écrasante. Sachez simplement que Voltec est fier de vous, que je suis fier de vous. Quand vous entendrez ce message, je serai déjà parti depuis plusieurs heures. J'ai ma propre mission dans les Appalaches. C'était votre superviseur. Terminé. Wouhou ! États-Unis ! Wouhou ! Wouhou ! Amusez-vous bien. Essayez de ne pas vous faire tuer. Le superviseur a dit qu'elle avait installé son camp plus loin sur la route, au sud.
Les emballages de mes souvenirs, mais des animaux mutants, des robots détraqués, et jusqu'ici, pas âme qui vive. Nous devons nous tenir prêts pour reconstruire, dans ce que je confirme être, une région hostile. Heureusement, Voltec était prêt. Vous voyez ça? Un poste de cuisine, une caisse de matériel, des ateliers. Tout a été construit avec le camp. Il vous faudra une base dehors. Le centre d'assemblage et de montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Vous n'aurez besoin que de ressources, de planification et de plus d'huile de coude. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit sera stocké et prêt à être placé dans une nouvelle zone. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. J'ai laissé mon camp derrière moi pour que vous puissiez l'utiliser. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais après avoir vu l'état des appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûr que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je me débrouillerai sans. La ville de Flatwoods devrait se trouver au bout du chemin. Du moins si elle existe encore. Vous me retrouverez là-bas. C'était votre superviseur. Terminé.